Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Oui, Jésus Christ, notre Sauveur est vivant. C'est lui la réalité, c'est lui la réalité. C'est bel et bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde, lui qui nous garde en vie, lui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Nous sommes vraiment très reconnaissants envers notre Seigneur. Nous le bénissons. Nous le bénissons. We need to. Nous le bénissons. Nous le bénissons. Il est merveilleux. Il est merveilleux. À lui soit la gloire, notre Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alors que nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, nous prions. Nous prions, alléluia. Père éternel, je te recommande ce temps entre tes mains. Nous voulons te recommander ce temps, ce culte entre tes mains. Nous te prions de diriger toutes choses. Que ta gloire se manifeste encore aujourd'hui. Enseigne-nous. Oui, de l'ombre à la réalité. Nous voulons vivre cette réalité, comprendre cette réalité, Seigneur. Merci pour ce que toi, tu vas nous enseigner. Merci de ce que ta gloire va se manifester. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Alléluia. On est là, bien assis, bien assis. On est là, bien assis devant notre écran pour suivre notre message. Alléluia. J'ai besoin de la lumière, que mon fils puisse bien s'asseoir pour avoir bien la lumière. Not to block the light. This light I want to come on my face. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur est là. Il va nous faire beaucoup du bien. Il va se manifester parmi nous. Nous avons commencé ces séries de messages que nous avons intitulées de l'ombre à la réalité. Le Seigneur nous a enseigné déjà beaucoup de choses. Et nous croyons qu'il va encore nous faire du bien. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Nous sommes en train d'apprendre. Nous aimons apprendre. Nous aimons les enseignements. Nous voulons être bâtis sur les enseignements. Étant donné que Christ est le fondement de l'Église, nous voulons avoir resté sur le fondement des Écritures. Voilà pourquoi nous apprenons, nous sommes là aujourd'hui pour apprendre. Alléluia. Il est merveilleux. Alors que le volume, on augmente le volume de la chanson, nous sommes la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Wonderful, wonderful. Wonderful is our Lord. Merci Jésus, merci Jésus. Là où tu es, tu commences à les bénir. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Commence à les lever. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Yes, dans la présence du Seigneur, nous l'adorons. Alléluia. Beyond the veil, au-delà du voile, yes. Que sa gloire remplisse le lieu dans lequel tu te trouves maintenant. Alors que nous écoutons cette chanson, que la gloire de Dieu puisse envahir là où tu te trouves. Laisse-toi envahir de sa gloire, de sa présence. Alléluia. Laisse-toi envahir de sa présence. Beyond the veil, au-delà du voile, c'est là où il nous veut. C'est là où il nous veut. Si les sacrificateurs d'autrefois ne pouvaient pas aller au-delà du voile, si les souverains sacrificateurs pouvaient aller seulement une fois par année, nous, le voile a été déchiré. Il nous appelle au-delà du voile. That's where he's calling us. There is a place. Beyond the veil, there is a place for us. Là où la gloire de Dieu réside. Là où Kembo Nzambe Fandi, au-delà du voile. Yes, yes, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Au-delà du voile. Et si Gabi Yanonayo Zali,
Et si t'as le but que Zali, au-delà du voile, calme, j'ai écouté une voix qui a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses, monte ici, il y a un endroit, et si t'as un repos à soleil, there is a place, yes, non pas dans l'ombre, mais dans la réalité, there is a place. There is a place. Celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut, there is a place. Au-delà du voile, alors que Conoré a dit qu'on bête à gauche à droite, alors que la mort est en train de frapper à gauche à droite, there is a place. A secure place. In his presence, yes. Dans sa présence. Alléluia. 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 Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Nous l'adorons, nous l'élevons, nous le bénissons. À lui soit toute la gloire, notre Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni. Nous l'acclamons, notre roi, notre Seigneur, le souverain sacrificateur. Lui qui est allé au-delà du voile. Lui qui a apporté le sang au-delà du voile. Alléluia, alléluia. Il nous a introduit dans la réalité. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Beyond the veil, yes. Alors que cette musique continuera à jouer, this music will keep playing. L'atmosphère change. L'atmosphère de gloire, nous voulons écouter la parole sous cette atmosphère. Et nous croyons que la main de Dieu va agir. Et la parole sera prêchée avec puissance. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé, à partager la vidéo. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est là. Le Seigneur de gloire est là. Notre don unique est là. Le Dieu de toute grâce est là. Notre assurance est là. Alléluia. Beyond the veil. Hi. There is something waiting for you beyond the veil. Na montagne à Morija, c'est là où Dieu pourvoira. Na nakouté à la montagne. Il faut monter, il faut aller là, à la montagne. Quand Isaac a tourné moi là, a tourné papa, là, Abraham, je vois le voile, je vois du feu. Mais où est l'agneau? Na nakou, Abraham a compté sa réponse, il y a réponse à ma longate. Na nakou, solution est zalakate. Mais solution, Zomagami, à la montagne, Dieu va se pourvoir. Oui, à la maison, il n'y a rien. À la maison, on va pleurer. À la maison, je manque de réponse. À la maison, je manque de réponse. Mais quand je monte à la montagne, et si gars bélier mon cabadagi azali attaché à kangamaki azo zelayo à la montagne beyond the veil azako zelayo et ça na level mokoyo nazo mona clarté nazana ombre nazana confusion mais there is a place et si kanyo se ko baga pole. Et si quand Kembo na Zambe, et si quand Miami se komaka, Mai, ya esengo, kolele komaka, ya passi soute, ya esengo. Et si quand Longo la ka Sony, et si quand Pesa ka biso, Zembo ya sika, et si quand Bikamwa, et Salamaka. Hallelujah, qu'il soit béni, yes, Sandoro Brosse, qu'il soit béni. Alléluia, bikamwa na yo za quelque part, bikamwa na yo za quelque part, beyond the veil, bikamwa na yo zaliwana, ezawana. Isaac a eba kite, na ngomba kuna, eza na benye sacrifice mo eza ko zela yo. Oko zwa mo, ko mona mo, ko experimenta mo, kaka soko mati de ko experimenta yango. Beyond the veil, au-delà du voile. Yes, notre souverain sacrificateur. Alléluia, nous le bénissons. Rapidement, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia.
Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'assistance de mon fils blessé. I bless the Lord for his support. Alléluia. Qu'il soit béni, notre Dieu. Nous allons lire donc dans Hébreux chapitre 8, le premier jusqu'au deuxième verset. C'est ici, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 1er au verset 2e. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à notre Seigneur. Jésus. Le point capital, si vous avez pris ça, vous allez lire avec moi. Hébreux chapitre 8, du 1er au verset 2e. Hébreux 8, le point capital. Là, c'est l'auteur du livre d'Hébreux qui parle. Et il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du Père. Le point capital est que nous avons un souverain sacrificateur assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Nous avons commencé à parler de l'ombre à la réalité. Nous avons dit que dans l'ombre, on n'a pas de détails. L'ombre ne donne pas des informations à toutes les informations. L'ombre donne des informations incomplètes. Les informations incomplètes, j'allais dire. Et la Bible dit que la loi possédait l'ombre. Dans la loi, on verra l'ombre. On ne verra pas les choses telles qu'elles devaient être. On verra les choses, mais dans l'ombre. On verra Christ dans l'ombre. Nous avons compris que même Moïse avait dit, ou bien Jésus avait dit que Moïse a écrit à mon sujet. Donc Moïse a parlé de Jésus. Moïse a écrit au sujet de Jésus. Mais quand nous lisons les écrits de Moïse, on ne trouvera même pas le nom de Jésus. On ne trouvera pas Jésus dans la réalité. Mais on trouvera Jésus dans l'ombre, on trouvera Jésus dans le symbole, on trouvera Jésus dans des images. Quand Moïse parle le serpent de rein, il parlait de Jésus. Mais Jésus sous forme d'une image, sous forme d'un symbole. Quand il parle de l'arche, c'était Jésus. Quand il parle de tous les sacrifices, c'était Jésus. Donc Jésus était dans l'Ancien Testament. Il était là avec les enfants d'Israël. La Bible dit que le rocher qui a fait sortir jaillir de l'eau, c'était Jésus. Le rocher Obanakolandabango. Le rocher qui les suivait. Il marchait avec eux. Mais il était caché. Voilà pourquoi la Bible dit même, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui étaient cachées, j'allais dire. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les choses étaient cachées. Dieu était caché. Même quand Dieu s'est révélé, la Bible dit, il y avait la nuée. Dieu s'est caché dans la nuée. Dieu s'est caché. Et les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Vous verrez même toute chose, toute calamité qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ils attribuaient ça à Dieu. Ils attribuaient tout à Dieu. Même si l'ennemi frappe, ils attribuaient tout à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Et nous avons dit que l'Ancien Testament, c'est le mystère. Et ça, mystère. Dans l'Ancien Testament, il y a des signes, il y a des symboles, il y a des types. Ce qu'on dit en anglais, type. Il y a des types. Christ est dans l'Ancien Testament, mais il est caché. Christ est dans l'Ancien Testament, mais il est caché parce que la loi possédait l'ombre.
Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, verset 17, où nous avons lu, où l'apôtre Paul dit que toutes les cérémonies de l'Ancien Testament étaient l'ombre. Et le corps, c'est en Christ. La réalité, c'est Christ. C'était l'ombre de Christ. Nous avons dit, Christ se met debout et son ombre, la projection de son ombre, nous donne le chandelier, nous donne l'arche, nous donne toutes ces choses symboliques. Et nous avons dit dans l'Ancien Testament, les choses étaient matérielles, étaient physiques. Dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Alliance de l'Esprit, où les choses sont spirituelles. On ne fait pas recours aux choses physiques. Mais malheureusement, certaines personnes sont toujours attachées aux choses physiques, choses qui ne devaient pas être. Ça ne devait pas être ainsi. Nous sommes maintenant dans l'Alliance de l'Esprit, où les choses sont spirituelles, où les manteaux de lit, aujourd'hui ce n'est plus les manteaux de lit. N'a quoi un manteau de lit, non, aujourd'hui les manteaux de lit, ils ont l'oba et l'oko moussousou. Comme Élie était monté, il a laissé tomber son manteau, c'est même quand Jésus-Christ est monté, il a fait laisser son manteau, son esprit, alléluia. C'est la même chose. Mais là, on a vu Élie. Mais en réalité, ça parlait de Jésus. Quand Jésus va monter, il a dit, je vous enverrai. Restez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé. Élie a reçu le manteau. De la même manière que l'Église, nous avons reçu le manteau. Le manteau le plus physique, c'est le Saint-Esprit, la présence de ce manteau. Si tu comprends, dis Amen, Amen. Les choses ne sont plus matérielles. Jésus a été oint. Non pas on a versé de l'huile sur sa tête. Il a dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur m'a oint. La présence du Saint-Esprit, c'est ça l'onction d'huile. C'est ça l'onction d'huile. On n'a plus besoin de ces choses matérielles. Même les habits sacerdotaux, les habits que les sacrificateurs portaient quand on les consacrait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, notre vêtement, la justice de Christ, il nous a justifiés. Il nous a fait porter le vêtement de la justice. On n'a plus besoin d'un vêtement ou un zambala. Aaron a zalaki na bâton, le bâton d'Aaron. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un bâton boyé. On l'a dit dans Zambala, on a un bâton. Non, non. Ce bâton, c'est l'image d'autorité que nous avons. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent. Tout ça, c'est spirituel. Les choses ne sont plus matérielles. Ce ne sont plus matérielles. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez. Jésus-Christ. C'est ainsi que vous verrez dans Lévitique chapitre 10. Nous allons bientôt entrer dans notre sujet. Lévitique chapitre 10, verset. Lévitique chapitre 10, le verset 10 à 14. Lévitique chapitre 10, verset 10 à 14. C'est ce que Moïse a dit. Lévitique chapitre 10, verset 10 à 14. Alléluia. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Là, dans l'ombre. Parce que l'ombre est plus à l'information et à la parfaitité. Dans l'ombre, la Bible dit ceci. Lévitique chapitre 17. Alléluia. Nous lisons. Gloire au Seigneur. Lévitique chapitre 17. Nous lisons ceci. Gloire au Seigneur. Alléluia. À partir du verset 10. La Bible dit ceci. Alléluia. Lévitique chapitre 17 à partir du verset 10. Nous lisons ceci. Verset 10, nous lisons verset 10. Lévitique chapitre 17, verset 10. Lévitique chapitre 17, verset 10. Si un homme dans la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers
qui séjourne au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je retrancherai. C'était donc défendu. Nous continuons. Verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, ou la vie de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation. C'est-à-dire, le sang sert d'expiation. Vous voyez là qui utilité à sang, c'est pour l'expiation. Alléluia. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Oh, Jésus, sois béni. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si, verset 13, si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il versera le sang et couvrira de poussière. Donc, il ne va pas manger le sang. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils ne devaient pas manger du sang. Ils ne devaient pas. C'était interdit. Là, dans l'ombre, si on prend sa copie en peste, on va interdire, on va faire des choses. Mais là, la Bible, elle est écrite. Il est écrit. Nous avons dit que l'Ancien Testament, c'est un mystère. Un mystère, il faut le connaître, mystère. Savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire par ça. Si on fait copier une peste, on va aller droit à côté. On est sincère, mais on part à côté. À cela, nous allons maintenant voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit. Comment est-ce qu'il explique ça? Jean chapitre 6, oh Jésus-Christ, que le Seigneur nous fasse grâce. Jean chapitre 6, le verset 51. Jean 6, verset 51. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 6, verset 51. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 51. La Bible dit ceci. Jean 6, verset 51, il est écrit ceci. Jésus, il parle et il dit, Jean 6, verset 51, Jean 6, verset 51, il est écrit, c'est Jésus leur dit, 51 à 56, Jean 6, 51 à 56, Jean 6, 51 à 56, Jésus, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ah! Que je donnerai pour la vie. Jésus commence à parler, dit qu'il va donner sa chair. Verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient en eux en disant, comment peux-tu nous donner de sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aviez point la vie en vous-même. Oh! Ah! Dans l'ombre, on nous a dit, il ne faut pas manger du sang. Maintenant, ici, Jésus nous dit, si vous ne mangez pas de mon sang, si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la vie. Et ça, ce n'est pas une contradiction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sans l'intelligence divine, on va voir que c'est la contradiction. Car Lévitique nous dit, il ne faut pas boire du sang. Mais ici, la parole révélée nous dit, si tu ne bois pas du sang, Bosana. Si tu ne bois pas du sang, tu n'as pas la vie. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle.
Et je me résisterai le dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors que dans l'ombre, on a dit, on ne boit pas du sang. Voilà pourquoi je dis, si je prends l'ombre, copie and paste, avec toute ma sincérité, là je serai au Libanda. Je serai à côté. Jésus nous dit, buvez, vous devez boire mon sang. Mais Moïse a dit, faut pas boire du sang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et nous sautons, nous lisons le verset 60. Le même chapitre, le verset 60. Après avoir dit cela, le verset 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu la prédication de Jésus, ils ont dit quoi? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole contredit ce que Moïse a dit. Qui peut l'écouter? Personne n'avait dit amen à cette prédication. Parce que ça contredisait la loi. Et ils avaient oublié que la loi, c'est l'ombre. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Plusieurs disciples, avant d'avoir entendu cette parole, disent, ah, c'est dur. A commenté à ma camoussine, ma camoussine a commenté. Ma camoussine, pasteur a commenté à Bissot. A joué ma camoussine, wapi. Plusieurs. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec eux. Dans l'église, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Pour ma kawano, nous comme la matila, on a commis un vampire tonine. On a commis un okita comme côté abisso. On a commis un comme côté abisso. Plusieurs se retirèrent. Jésus, verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, parce que plusieurs se sont retirés, et vous, voulez-vous pas aussi vous en aller à un bon de la moutouté? Simon Pierre lui dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est vrai, ma tête est commune. Donc, on comprend qu'en côté, là, à ça qu'on met ma bangon en réalité, à ça qu'on explique, à ça qu'on anticipe déjà ma kabouya en réalité. Ah, puis, bah, moussou, ma longue église, bah, moussou, ma goya sous église, ma maman, elle a été à Wana, à sauter, à désauter, ma maman, elle a biblique, elle a soki ndegenine. Quand on n'a pas la révélation, c'est ainsi qu'on va conclure. Nous prêchons de l'ombre à la réalité. Quand nous sommes dans la réalité, il y a l'explication. C'est comme le rêve du roi, on donne maintenant l'explication. Vous verrez, Jésus dit, il a été dit, aime ton prochain. Nina ennemi na yo. Parce que Moïse avait enseigné l'amour du prochain, mais il n'avait pas enseigné l'amour de l'ennemi. Non, Moïse avait enseigné œil pour œil, dent pour dent. Là dans l'ombre. Mais si vous voyez ça, non. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Maintenant, dans la réalité, à ça qu'on explique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous parlons de la réalité. Dans la réalité. Nous ne faisons pas copie and paste. L'ancienne alliance, l'ancien testament a besoin d'être interprété. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, il a envoyé ses serviteurs, il oint ses serviteurs afin de nous aider de comprendre les écritures. Le nuque éthiopien, il lisait les écritures, il ne comprenait pas. Et Dieu a amené Philippe, il a placé à côté de le nuque éthiopien afin de lui expliquer. Parce que les choses de Dieu, tu as besoin qu'on puisse t'expliquer. Sinon, tu vas appliquer des choses wrongs. Oh, ma kilé, ça l'a tapis. Et ça l'a tapis dans la kunangaï. Manque de connaissances. Parce que nous allons voir que le blood deal with pardon du péché, la rémission du péché, la notre rédemption. Wana, ma kilé, yango, wana, moussala, nango, ma kamouana. Mon salamakila, ma kamouana, et fumola nzela yasika. Rémission du péché, rédemption, régénération, pardon du péché. Régénération, rédemption, rémission du péché. Rédemption, rémission du péché. Régénération, pardon du péché. Pe, et fumola nzela yasika. Yango makila, mon salamango yango wana. Et purifier à Kabiso. On y va bien dans le minimum à B.
comme la Yesu. Le nom de Jésus. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom. Le nom. Le nom. Alléluia. Ça, nous parlons des choses doctrinales. On peut prouver noir sur blanc ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons dit l'autre fois, quand on a appliqué le sang sur le linteau, la Bible dit que je passerai. Jéhoana, ce n'était pas le diable. Je passerai, je verrai le sang et je passerai outre. Le sang, c'est par rapport à Dieu. Le sang, c'est par rapport à Dieu. Nzambe tangwa talaka makila, ayamba makila, ayamba, ayamba pesa pardon, ayamba pesa biso elonga, à cause de makila. Nous l'avons vaincu à cause du sang, parce que le sang a régi le cœur de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus, le sacrifice de Christ, yango ne sepeli sa motema na tata. Le sang deal with our sin. Le sang deal with our sin. J'espère que Eyokani. Nzambe akumama. Et aujourd'hui, comme nous avons donné notre thème, tiré de Hébreux chapitre 8, là nous avons tiré notre thème, où la Bible nous dit le point capital. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime comment l'apôtre, ou bien l'auteur de ce livre, introduit ce chapitre 8. Il dit le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire quoi? L'auteur du livre d'Hébreux avait dit beaucoup de choses. Depuis Hébreux chapitre 1er, j'avais même encouragé l'église de lire le livre d'Hébreux. Et depuis Hébreux chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, beaucoup de choses ont été dites. Et nous aussi, depuis que nous avons commencé notre enseignement, nous avons dit beaucoup de choses. Dans Hébreux chapitre 1er, quand il introduit l'auteur du livre d'Hébreux, il compare Jésus et les prophètes d'autrefois. Il les compare. Il dit que autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Dans les derniers temps, Dieu nous parle par les fils. D'un côté, les prophètes, de l'autre côté, les fils. Le livre d'Hébreux est à laquelle livre il y a comparaison. On compare et on élève Jésus. On compare parce que ceux-là à qui le livre était écrit, c'était des juifs qui avaient accepté le Seigneur, qui avaient quitté l'ombre. Ils étaient arrivés à la réalité. Mais après quelques temps, ils étaient persécutés. On les chassait des synagogues, et on les privait de certains avantages, et ils se disaient, « Ton zongue la gaga ombre, ton zongue la gaga sacrifice wana yakala, ton zongue la gaga makambouya aron, ton zongue la gaga makambouya loi. » Quel était contexte du livre hébreu? Quel était contexte du livre hébreu? C'était des juifs convertis, arrivés à la réalité, ils marchaient dans la réalité, mais à cause de ma persécution, oh, tout le monde sont en train de prêcher ma cambo, oh, ton prêcher gaga ma cambo, ton prêcher gaga ma lien familial, ton prêcher gaga te, moi, n'a jamais pas à cause de la posséder, pour yangonde moutou, yangonde za quoi tirer bat, yangonde za comme ma vie est donnée. Ils voulaient rentrer dans ma cambo. Et maintenant, l'auteur et le livre est prêt. Aïe côté à Bango. Ami, vous voulez rentrer dans le coin à comparer la réalité na ombre. À mon ombre, ça a l'importance pour toi comme la réalité. Il compare, comme j'avais dit, dans l'introduction, le prophète na Christ. Il dit autrefois, oh, nous ne sommes plus dans cet aléa autrefois. Autrefois, c'était au travers des prophètes. Et quand Dieu parlait au travers des prophètes, c'était dans l'ombre. Il parlait dans naba image, il parlait naba symbole, il parlait naba type. Ou un langage en Zambé dans l'Ancien Testament, et ça différent dans le langage en Zambé dans la Nouvelle Alliance. Et ça différent. Nous ne sommes pas dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. Dans l'ombre, Dieu caché. Les choses cachées sont à Dieu. Voilà ma ancien. Nous sommes à côté où les choses révélées à nos enfants. Oui, il y a d'un côté les choses cachées,
d'autre côté les choses révélées. Nous ne sommes plus d'un côté où on a les choses cachées. Non. Aujourd'hui, Aza Emmanuel, Dieu se révèle. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne se cache pas. Dans la nouvelle alliance, Dieu se révèle. Il a caché à Moïse. Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Moi, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais Philippe a posé la question à Jésus. Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus a dit quoi, Philippe? Depuis longtemps que je suis avec vous. Mon limite, c'est moi le Père. C'est lui qui me voit, voit le Père. Ce que Moïse n'avait pas vu, vous, vous pouvez voir. Alléluia. Parce que Christ, il est la réalité. Il est la manifestation de Dieu. Il est la révélation parfaite de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans la révélation partielle, ndambu ndambu. Dose n'était pas complète. Ndambu. Mais en Christ, nous avons la révélation totale de Dieu. Olingo yebanzambe, tala Yesu. Olingo yebanzambe, tala Yesu. Yesu jamais tiré la gima du moto. Jamais. Elia belé la tiré la gima du moto. Ah, qu'on confonde ancien à nouveau. Olingo, oh yebosa, re, benan zamba zalaka. Tala Yesu. Tangu Jean, na Jacques Banu, batinda moto na Samarie. Yesu abi, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Olingo yeba nzambe, tala Yesu. Yesu anako bigisa. Anako bigisa. Même ba mosu tukutu, bazana kondimate, azo bigisa. Même ba tonga sumu, alinga kibango. De fois, toko ma komema, christianisme nandenge na biso. De fois, toko ma mouna, toka plus sain koneka Yesu Christ. Olingo yeba, nature Nzambe, Tala Yesu. Voilà pourquoi la transfiguration, Moïse a limoué, Elie a limoué, mon nom est le bête, yé wana. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Si ce que Moïse a dit, contredit ce que Jésus a dit, il y a Moïse, on est à ombre, dans un combat de là, et à ombre, on y a yéba, on a la doctrine à solo, Tala Yesu. Alors, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Yangone Yesu, yangone nature, ya Nzambe. En Christ, Dieu se manifeste. Libanda ya Yesu, okoyeba Nzambe te. Libanda ya Yesu, nakoyeba Nzambe te. L'Ancien Testament doit être interprété à la lumière de Christ. À la lumière de Christ. Oh, Moïse a dit, oh, comment ni boye. Ancien Testament, il faut la interpréter à la lumière de Christ. Ce qui n'a pas copié une pièce, n'a pas eu un bateau, n'a pas vu que la bateau va bombe, n'a pas eu salama kamboum, n'a pas eu l'attaque, n'a pas eu n'a pas eu la mafouta, n'a pas vu que la bateau moumoua, n'a pas eu le bol à Élysée, à zon bombe la pola moana, à bonde la vie, à bonde li, à mouzou na mouzou, à lali li kore ya moana. Y'a pas vu que vous avez et malamou va péter dans le kobo. Parce que, oh, Elisa, Alala qui Nicolas Moine, Elisa, Sala qui boue. Oh, consultation prophétique. Copie un peu ces alagadé. Il faut interpréter. Eza Koloba Nini. Eza Koloba Nini. Elimi Koloba Nini. Simplement que Christ a perçu son vie. Actualisa, oh, Yesu a perçu son vie. L'ongola, ma kagwana, Alali Nicolas, a sali son guide. L'ongola, ma kagwana, pour ce que sali bongo, oh, bimi libanda. Nani, Abraham, Azagi na basi mi balé, Abraham qui est père de la foi. Azagi na basi mi balé, Bible texte mis sur deux femmes, et ça image, y a alliance. Basi n'est pas ça qu'on représente, alliance. Alliance, y a loi, na alliance, y a Ngolou. Agar, c'est ça qu'on représente, mon Sinaï. Mais si on a une ancienne année, au commun, il faut naïa là-bas épître. Et si la révélation, et si la mystère est fondée dans les concombres. Ah, c'est que vraiment, et ça, la maman, ma polygamie, ou à la tête, non. Et le temps est service au macamoussous. Oh, ça, le voisin, il y a mille. Tant qu'on comprend, ah, Christ nous a fiancés à un seul époux. Tosa est belé. Tosa fiancé à un seul époux. Et ça, il y a un copier, bon, copier une pièce. Non. Il faut la interpréter. Si tu es avec moi, dis Amen. Et la Bible nous dit ceci. Oh, j'aime ça. Le point capital à comparer Yesu n'a pas prophète.
à ce qu'il y a dans la terre, à comparer Yesu n'a pas ange à tomboli Yesu. Yesu n'a pas prophète à tomboli Yesu. Yesu n'a pas ange dans Hébreux chapitre 2 à tomboli Yesu. A dit que Jésus est supérieur. Il est supérieur. Alléluia. Il est supérieur aux anges. À comparer à Yesu n'a pas Aaron pour n'a pas attendre le livre Hébreux. À tomboli Yesu. Aaron a la faiblesse. Aaron. Avant, à tomber le sacerdoce, il y a Yesu. Pose à la sacrificateur, le sacerdoce, il y a Aaron. Il faut dans la trouver à Lévi. Si on a un bon temps dans la famille à Lévi, on ne sera jamais sacrificateur. Mais si on a un bon Yesu, Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi. Il est un lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu à Yesu, et il y a qui Judas. Et par rapport à la tribu à Judas, il ne pouvait pas être, il était disqualifié. My God. Il était disqualifié. Pose à la sacrificateur, il faut monter à mon attribut à Lévi. Jésus n'était pas un Lévi. Avec la tribu à Judas. Il y a un petit gars là, Motomoko. Peu importe la tribu, peu importe le background, peu importe le bicycle de route, nous avons un et quand on voit la tribu, on va balagater, et quand on a la tribu, on va bongagater, et quand on a la famille, on les a trouvés dans le tout. Jésus qui n'était pas de la tribu de Lévi, mais à Komaki, sacrificateur. Ils ont dépend de la tribu na yo tout souté. Tozan la nouvelle alliance. Eh, ngai oyo pe naza sacrificateur. Naza na tribu ya levité. Le nom mungala la koma sacrificateur. Emu luba koma sacrificateur. Emu soyi la koma sacrificateur. La Bible dit, il a fait de nous, de toute tribu, de toute nation, de toute race, un royaume de sacrificateurs. Parce que ma kamu est changé dans la lumière, dans la réalité. Ils ont occupé sous tribité. Il ne fait point d'acception de personne. Les lois ont d'abord qu'on utilise. Les lois ont d'abord qu'on va l'enlever. On a la moindre chose à la mobile. Nous avons la vie. Il ne fait point d'acception de personne. N'ancien, il faut que la gaga Lévi. N'ancien alliance, si on a un défaut corporel, on va contacter le temple. On a un défaut, il faut dans la parfaite. Défaut corporel. On va t'aider. Ah, ma gamme changea. Le nom, à ta n'envenini. Sauf que le canin a maquillé à Yesu Christ. Il nous a lavé et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Na lingala, naza prêtre. Et ça, moi, j'ai enquêté à Johanna grand prêtre. Naza prêtre, a comme ça dit sur ma priste. Quelle grâce! Naza n'a trouvé ou anate. Naza rempli ma critère ni au sauté. Jésus ne remplissait pas tous les critères. Il était disqualifié par sa tribu. Il ne pouvait pas être sacrificateur. Ah! La tribu à Judas. Et puis, il est sacrificateur. Et la Bible dit selon l'ordre de Melchisedec. Aaron a dit selon l'ordre. Il y a loi, selon la loi. Nous ne sommes pas selon cette loi. Alléluia. Tant qu'on compare à tomber Yesu, à Yesu à l'équipe. Alors bien que sacrificateur à Aaron, c'est-à-dire permanente. Permanente. Il faut pas changer à ta. Tango a rakufi, moi na kolanda. Biso siko, notre souverain sacrificateur a dit permanent. Permanent à tomber Yesu à tel sacrifice sacrificatif sacerdoce ya Aaron na ya encore Yesu ya dit ya Aaron et tonga magana maboko a mutu a sanctuaire wana tonga magana maboko a bato mais sanctuaire ya encore Yesu a dit à kota na mapata il a traversé le ciel
atombo li sanctuaire yankolo elekeza likolo yankolo nanga ezali kolo yabize ba tata na biso ozali o o likolo ya yankolo yeso ezali kolo azo tombe pourquoi parce que ba hébreu ba zongela wana ah tebo koma tebo ezana realité bo zongela biloko wana ezak tellement ba a comparer nouvelle alliance na ancienne alliance a tombé nouvelle alliance alliance yasika a comparer Aaron na kolo abi Aaron na Hébreux chapitre 7 Aaron azali na ba faiblesse Hébreux 7 verset 28 en effet la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse les hommes sujets à la faiblesse donc Aaron azali na ba faiblesse na ye yango il faut amener ma sacrifice pour na ma soumou na ye moko. Mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établie, le fils qui est parfait pour l'éternité. Le fils est parfait. Aaron n'était pas parfait. Il y a un atini koutou, atini basa la vodo, ta la sacrificateur mobile. Atini basa la vodo, il n'était pas parfait. Sacrificateur au sacerdoce Aaron, et Zalaki, non pas na serment. Serment Zalaki te. Mais il y a un colonisme avec serment. Hébreux 7, verset 21. La Bible dit ceci. Car les Lévis sont devenus sacrificateurs sans serment. Aaron, Lévi, comment sacrificateur? Nzamba ça l'a sermenté. Mais Jésus, nous avons comparaison. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit. Oh, le Seigneur l'a juré. Ah, Yesu a l'icolo. Yesu a l'équipe. Il a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Aaron a dit pour un temps. Il est pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il y a une comparaison. Il y a une plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais une colonie, ça, permanent. My God. My God. Verset 25, c'est pourquoi aussi qu'il peut sauver, à cause de ma camouille, c'est pourquoi il peut sauver parfaitement. Non pas seulement sauver, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Quand on a la comparaison, pour mettre dans mon aware que réalité est l'équipe, réalité en Christ est l'équipe, ton zon à ma camouille, en réalité, et ça colleka. Suko na chapitre 8. Et si tu dis thème na biso. Après avoir dit ces choses, à comparer même Jésus na Josué, à tomber de Yesu, à comparer à dit Josué à côté bango na reporter. Josué a pesa bango reporter. Non. Bazwa reporter na Josué. Mais na kati a Yesu, Yesu était, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. La réalité, en Christ, nous avons le vrai repos. Bango bazwa qui reporter. Josué n'a pas pu leur donner le repos. Après avoir fait toutes ces comparaisons, après avoir dit toutes ces choses, yoka makam auteur ya livre ya Ebraza Koloba. Ah, na lingi penda otalango nanga bi le point capital de tout ce que nous avons prêché, de tout ce que nous avons dit depuis Hébreux chapitre 1 jusqu'au chapitre na chapitre 8, le point capital, my God, le point capital. Na lingi yoka point capital. Soit qui m'ramusi so olanda ki ango bienté. Soit makamusi so comprenant ki ango bienté. Soit qui depuis que nous avons commencé cet enseignement que tu ne comprenez pas. Maintenant, laisse-moi te dire, le point capital de tout ce qui vient d'être dit. Le mot la point capital, et la kisinine, na lingala bakolo babini, maman na likambo. Nous avons dit plusieurs choses. Nous avons prêché beaucoup de choses. Nous avons enseigné plusieurs choses. Mais le point capital, c'est-à-dire le point essentiel, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir par-dessus tout. Na anglais, babini, on key point, le main point. Oh, c'est qu'il faut un underline. Oh, tout ça accent. Oh, c'est bien ton yemba, ton simba, et zanin. Ah, tout n'a pas de zanin. Maman la likambo, zanin, maman la likambo. Oh, pasteur, on a qu'on toque la nini. Maman la likambo, zanin.
Mama la likambe zanine. Oye sala ka ete. Atabi tumbandegeli no bune liki ate. Mama la likambe zanine. Oye sala ka ete. Ataba tongi yo. Atandegeli. Marzo toko traversé ba tan difficile. O zakata na ye. Mama la likambe zanine. Abi le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Mon Dieu, mon roi. We have a such high priest. Non pas que nous avons un sacrificateur, nous avons un tel. C'est vrai dans la version, nous avons tel ou un tel, mais jeune version, nous avons un tel souverain sacrificateur. Et ça, quand on va dire. Nous avons un sacrificateur différent. Après avoir décrit sacrificateur d'Abisso, nous avons un tel sacrificateur, mon Dieu, mon roi. Ah! Yangoana, ce qu'on a la révélation à sacrificateur Wanate, Okobika, bénéfice Nayete. Nous avons un tel sacrificateur. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Tant que c'est un véritable tabernacle, c'est-à-dire que c'est un tabernacle qui est véritable. Il y a tout un ombre. Et c'est un véritable. Azomé madonga de bo to kangama na souverain sacrificateur na biso to kangama na tabernacle oyo ya kolo Yesu to kangama na réalité le point capital oyo sengeli ko simba na bomo na yo oyo sengeli révélation sengeli ko zala nango oyo sengeli ko tabernacle nango et ya na buto ya na moyi. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Ah, ozamu ta ko pamwa ma soko yebi. So bon yebi, on est mon tel, un tel. Ah, j'ai un tel père que. Je sais dire, on compare, mon qui te. Ah, y a bus à Zanege Moussousou. Notre souverain sacrificateur, à Zanege Moussousou. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Yé, à Kota, Alkena, au-delà du voile. Si quoi il faut oyé ba souverain sacrificateur wana zandengeni oyé ba qualité de ba capacité na ye, my God. Oyé ba capacité na ye, oyé ba qualité na ye, parce que notre souverain sacrificateur aza différent na bango. Mon Dieu, mon roi, il est différent. Vous allez me excuser, je prends mouchoir. Oh, tigana toga po na ye. Car nous avons un tel souverain sacrificateur, Azad digne. Nous avons un tel. Il faut yéba, au salama kasi, na salama kasi. Azad n'est pas le souverain sacrificateur d'Abisso. En quoi il est différent? Pour la nina, il faut. N'a tien, ni ken, n'a me pas yé. Yango, Azad nous kaloba. My God. Nous avons un tel souverain sacrificateur. N'a ken, n'a mis à la mort, n'a tel. Et such. Il y a mon délire, mon gomosus, my God. Oh, my God. Hébreux chapitre 6, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Notre souverain sacrificateur, il est entré au-delà, beyond the veil. Avant d'expliquer sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Un tel souverain sacrificateur. Du véritable tabernacle. Non pas de l'ombre, mais la tabernacle véritable. La tabernacle réelle. La tabernacle aux réalité. Qu'il a dressé par le Seigneur. Et non pas par un homme. Un tel souverain sacrificateur. Ah, si tu as la révélation de ce souverain sacrificateur, on peut la paix. Si on a la révélation du souverain sacrificateur, oh yo, vina yo, si tu as la révélation de ce souverain sacrificateur, ta vie ne sera plus la même. Le problème, est-ce que tu connais? Voilà pourquoi l'apôtre Jean, il dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez.
Na komeli bino makambo po moyeba parce que les problèmes, les grands problèmes, ils ont toujours la connaissance. Voilà pourquoi dans cette église nous insistons sur la connaissance et la reconnaissance. Abi na komeli bino makambo po na lingi moyeba bo zanga bo yebite bo bo yeba. Dans 1 Jean chapitre 5, il dit ceci. Je vous écris, verset 13, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. N'a comme il n'ont pas embatté, n'a sauté à moi pas embatté, afin que vous sachiez que nous avons un tel souverain sacrificateur. My God. Et l'autre bon côté, l'équipe la cahier. Attends, ma soumou, la zanne de l'uni. Souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur. À quoi l'uni ça y est? Ah, nous avons un tel souverain sacrificateur à quoi qu'on pèse à yo ma bota. Nous avons un tel souverain sacrificateur à quoi qu'on pèse à yo et longa. Nous avons un tel. Oui, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Oui. Ici, l'accent est mis sur la qualité et la capacité de ses souverains sacrificateurs. L'accent est mis sur la qualité et la capacité de son œuvre. L'accent est mis sur la qualité et la capacité de son sacerdoce. Et si l'accent est salami, l'accent est tiami, il y a la qualité, le lingia, il y a un souverain sacrificateur. Il y a un souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Et quand il décrit cela, au comment la suivre ça que le banabi soboué. Oh God. Oh, beyond the veil. Mema, beyond the veil. Et si ka te semé le kozala. Oh my God. Revelation knowledge. Hébreux chapitre 4, verset 14. Quand la Bible dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, puisque tu as la révélation de ce un tel souverain sacrificateur, puisque nous avons un grand, vous, j'aimerais nous dire, bien-aimé dans la Bible, à moins que je m'abuse, en lisant les Écritures, c'est le seul endroit dans la Bible où on a parlé. On a ajouté cet adjectif qualificatif grand. Aaron était souverain sacrificateur. Aaron était considéré souverain sacrificateur. Mais ici, l'auteur de la livre hébreu a bâti ce adjectif, a dit un grand souverain sacrificateur. My God, Azad grand. Il n'est pas seulement souverain sacrificateur. Il est grand. Grand par rapport à qui? Grand par rapport à Abraham. Grand par rapport à Ron. Un grand. Au moment où on a voté, autant qu'il est difficile, autant qu'il est normal, autant qu'il est exode, basso, souverain sacrificateur. Mais ici, parlant de Jésus, notre souverain, notre, dans la réalité, Aza grand. Ah, na ombre, kuna arabe, imagine grand. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, beyond the veil, Jésus le Fils de Dieu, demeurons. Qu'est-ce qui arrive quand on a la révélation de ce grand souverain sacrificateur? Un, demeurons quoi? Demeurons fermes dans la foi. Pourquoi? Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur. Hey! Demeurons fermes. Attends, mon peuple, nous avons un grand souverain sacrificateur. Puisque nous avons, si on n'avait pas ce grand souverain sacrificateur, si on n'avait pas ce grand souverain sacrificateur, le mot là, puisque, le col à Tosana, Nanda Yanzambe, oya mon nene, oya leki mon nene, ah ton bouni se ligate, ton zonga na ombrete, ton zonga na ombrete, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, my God, ah tozana nzambe, bomoy, demeurons fermes, c'est vrai ma kambo na mokile yaka, c'est vrai ya, eza na ba adversité na vie, c'est vrai, eza na ma kambo, oza ko comprendre te, c'est vrai, eza na ma kambo andenge na nenge, ne ba imprévu na vie, eza na ma kambo, mais nous avons, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, à côté le ma, à côté le ma,
Kobou Miseli qui a dit nous avons Toza dans un grand. Atamo Lilian Dengenini, my God. Atami Touma Dengenini, nous avons. Nous avons. Lobana motema na yo. Motema na ngai ko bungi se likate. Bate la kinya. Nous avons un grand. My God. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comparer à nos faiblesses. Ya misaza lokola wanate, aza lokola oya ombre te. Oh Seigneur, oh Jésus. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, attends que je explique ça. C'est that such high priest. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Ya misaza la lissoumouté. Alors, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, par conséquent, verset 16, approchons-nous donc avec assurance. Aïe. Avec assurance, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Compatissant à ton juger yoté, à Zobanayo Yaka, tel que tu es, viens. Le pardon se trouve auprès de lui, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Aïe. Puisque nous avons dans la réalité un tel souverain sacrificateur. Les promesses, Nayeba, il y a du son dans Nzamba, ça n'engenine. Nayeba, ma qualité peut capacité Naye. Quand tu sais les qualités, les capacités de notre souverain sacrificateur, de ces grands souverains sacrificateurs, quand tu connais les qualités, il y a œuvre, il y a Salah, les Koulousou. Aïe. Tant que vous avez la révélation, on a assurance, approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Alléluia. Dans la réalité, nous avons un tel souverain sacrificateur, mon Dieu, mon roi. Puisque nous avons. Oui, on a un problème, na yo. Je ne sais quoi, ma camisa ko tungisa yo. Mais na yo ko yebisa yo ete. Mon salaire sacrificateur, les aïe yango, elle a pas de problème, na yo. Mon salaire na yeza yango wana. Amema, mikumba na yo. Amema yango, yene. Il intercède pour nous. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, yoga frère de Dodako formule. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, à la vie à coller la lélaté. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, tu vois, tamboulana, bako long à bisauter. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, pangouza maya misunayo. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, abikame ko salama. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, na ko tatola. Pourquoi na ko tatola? Puisque nous avons un tel, my God. Et donc, dépendre capacité à sacrificateur au yozana. Ils ont dépendu de la habilité. Yéaza éternel. Yéaza permanent. Yéaza na bon mot. Aza lokola ya ombre te. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Ah my God. Ata di tumba nenge nini. Ata olembi nenge nini. Abete, il. Aza compatissant dans ma faiblesse d'abisso. Puisque yé moga la tali nzota moutou. Puisque nous avons un tel. Pourquoi nakoya? Puisque nous avons un tel sacrificateur, un tel souverain sacrificateur. Bako disqualifié yote. Pourquoi? Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Sobe Simba gite lobi, lolo Simba. Pourquoi? Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Ah mon Dieu, mon roi. Andanzambe. Jésus Christ, un tel souverain sacrificateur. Et souvent, pour comprendre la réalité à Makamouana, c'est vrai pour le Bara toujours, l'Ancien Testament est à ombre. Mais nous ne jetons pas l'Ancien Testament. Et tant que l'Ancien et le Nouveau, on comprend bien Makamoussou à nouveau par rapport à l'Ancien Testament. Donc, nous sommes balé wana, ça nous aide à comprendre les choses. Alléluia. Lévitique chapitre 16,
nous parle. Il y a Oye Banaï Kolekan. Lévitique chapitre 5. À partir de Lévitique 16 plutôt. Lévitique 16, verset 5. Les enseignements, oh yonanga to singelito, to fani salamite manabiso. On nous parle de ce que Aaron, le sacrificateur, le souverain sacrificateur dans l'ombre, comment est-ce qu'il y a un sal? Lévitique chapitre 5. Il recevra de l'ensemble. Lévitique 16, verset 5. Lévitique 16, à partir du verset 5. Il recevra de l'ensemble des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Deux boucs et un bélier. Aaron offrira son taureau. C'est-à-dire, Aaron offrit d'abord pour la Masumunaye Moko, son taureau. Aaron offrira son taureau. Son taureau, l'expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de l'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs et le sort pour l'Éternel et le sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel il est tombé le sort de l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc d'Azazel sur lequel est tombé le sort d'Azazel sera placé vivant devant, etc., etc. Aaron offrira son taureau d'expiation, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau. Verset 12, il prendra le brasier plein de charbon Adam ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel. Et deux poignées de parfum. Donc, tu as un besoin d'avoir le voilà sensoir, à tien parfum, à yen à mon lieu saint. Et si tu as un mille côte, verset 12, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel. Donc, à charbon wana, ma kala ya moto wana, à cause de na hôtel de l'Holocauste. J'ai un peu de feu étranger. Moto ko ute sika mususu te. Moto wane sika batumaka holocauste. Azuli kala moko ya moto. Azuli makala ya moto. Atengu na kati ya ansansuwa. Ya wongo mwona ansansuwa wana. Na ombre elobi ansansuwa. Ya wongo ba ndekola biso katolik. Kopi en pes. Ba zuwa wongo ba memengo tina realite. Na ba ansansuwa mwe na bwe. Na ba ansansuwa mwe na bwe. Eza manka revelation. Wane za laki fizik. Eza semol. Sikolo. Il faut qu'on dekode. Ansansuwa wane laki sinini. C'est vrai dans la Bible. Ce n'est pas que tout ce qui est dans la Bible, il faut te pratiquer. Interprétation et singulaka pour toi avant de pratiquer. Cette interprétation dans ma baie, l'application sera mauvaise. L'application sera mauvaise car l'interprétation est mauvaise. Azuya Sansoa Wana, a tient parfait odoriférant. Il portera ces choses au-delà du voile. My God. Il mettra, verset 13, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le prospiratoire. Milinga wana, et couvrir prospiratoire, et couvrir, moi le plein, couverture, il y a hache. Milinga, et où dit un lieu saint, et compte à tout un lieu très saint, avant compte à la maquila. Alléluia. Milinga wana ezana sola kitoko oyo nzambe akosepela nango. Alléluia. Oyo nzambe akosepela nango. Après verset 14, il prendra le sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du prospiratoire vers l'orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang dans le prospiratoire. Makila ba soparango na prospiratoire. Makila aspersion makila et salamala na prospiratoire. Prospiratoire eza nini pe eza wapi? Eza na lieu très saint. Eza pasika passe moi ko pesa ba image te po ngana yo to comprendre. Sanctuaire tabernacle eza na trois parties. Parvis, lieu saint na lieu très saint. Na katia parvis eza ki na hôtel so ya hôtel ya holocauste. Na hôtel ya na cuve d'arin. Cuve d'arin na hôtel de l'Holocauste. Na parvis et si ba neko boma sacrifice na parvis. Ba ko boma sacrifice na parvis. Ba zima kila yango. Ba makila yango ne un souverain sacrificateur. Non pas sacrificateur makila ya oyo ya expiation souverain sacrificateur a ko zwa yango a ko mema yango na lieu très saint.
Et avant même yango, totali était parfait d'abord et kokota. Milinge kokota. Milinge kokota na lieu très saint et couvrir prospiratoire. Prospiratoire. Alléluia. Après akoyana makila. Makila expiation na l'ombre et ça la maga na lieu très saint. Na lieu très saint. Makila o le memaka pardon. Et dans ma kila, on le fait tant que baboni tabac, tant que baboni un sacrifice, on va le faire dans la parvis. Ce n'est pas ça. Je me réjouis, je ne sais pas si je vais expliquer ma cambo ou bien. Tant que baboni tabac, tant que ma sacrifice, je veux me dire sacrifice, il est vraiment qu'il est sopanaka. Et sopanaka. Mais ma kila, on le comme ma expiation. Et dans ma kila, on a comme ma yango. Expiation et salamaka n'a pas vite. L'expiation et salamaka n'a pas vite. Expiation et salamaka, tant que a mené ma kila na lieu très saint, na prospiratoire, babi et à cause de l'aspersion. Le verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il portera le sang au-delà du voile. Au-delà du voile, il fera avec ses sangs, comme il a fait avec le sang du taureau, l'aspersion sur le prospiratoire. Non pas na parvis. Si quoi est même mis dans la réalité, dans un bon de la Nzamba pesa yo, ma yé la pesa na ma yé to comprendre. On comprend ma kila ya Yesu Christu. Parce que ce qui yon a to tangi bibe malamu, to comment a été Yesu. Ma kile tanga bisika mwaming. Tango basala ki est circoncision, le sang était coulé vrai ou faux. Ah, moutumora loba, amen, soro ni ma pasteur ada koloba. Tango basala ki est circoncision, le sang coulé. Tango, ah, même adana geste mané, babi ete, moutoke komi le kola, grenoa ma kila. Tango ba, memi siye kouba, to beta le fimu, siouma, ma kile sopanaki. Tango ba latisa ke kota nzume, ma kile sopanaki. Tango ba meta ke ba sete, ma kile sopanaki. Me tika, na loba eloko oyo oyo sengi yo nangayi, ma yele nzamba pesa bisoto comprendre. Nene to moni ya ombre, l'expiation, ma kila oba ko mema, ti na liye presen, yango wanande, yango wanande. Je ne sais pas si il faut avancer. Je ne sais pas si Jésus doit avancer dans ma camona et dans l'aube. Alléluia. De la même manière, Jésus Christ, il fallait atteindre au-delà du voile. Amen, maman, qu'il a au-delà du voile. C'est vrai dans Golgotha, il y avait le sang qui était coulé. C'est vrai. Mais, maman, qu'il a le pardon, c'était quand Christ a amené le sang dans le lieu très saint. Parce que na ombre de tout le monde n'a pas de salam. Aaron Kozo Makila a mené un lieu très saint au-delà du voile. Au-delà du voile. My God. Tant que je suis en train de faire ma vie, je suis en train de faire ma vie. Parce que tant que Aaron Kozo Makila a comme un intouchable, je suis en train de faire ma vie. Je suis en train de faire ma vie. Je suis en train de Ti tanga to me matira wa nanu pardona ne pesa melite ba yedi to ni zam tatan zanda limbisi seulement tanga ke au-delà du voile a komi a sali aspersion na prospiratoire nzambe to na moni a sepe na matila nda pesi lobiko de la même manière Christ c'est dans le tabernacle céleste. Beyond the veil, au-delà du voile, et si qu'on est rédemption et joie, à la croix, il a crié, tout est accompli, il a accompli, oh le mieux c'est la loi, accompli, va, requirement mieux c'est la loi, accompli, mais notre rédemption, et ça dit, beyond the veil, my God, beyond the veil, nous l'avons prouvé bibliquement, totalement dans l'ombre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, salam. Pas dans le sanctuaire, pas dans le parvis, non.
Aïe, 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 aïe. Mais dans le lieu très saint, dans le lieu appropriatoire, à cause de l'aspersion à qui là, et si qu'on a l'air, et si qu'on a l'air, à côté, payé sur lui, il a traversé le sanctuaire, non pas fait de la main des hommes, sanctuaire éternel, ah, non pas avec le sang de bouc, mais avec le son propre sang. Ah, bouillon de vin. Comme un bouillon de vin. Ceux qui ont trouvé la révélation, ma camo est le canada du bouillon de vin. Bissikawana. Et bouillon de vin, la Bible dit, la chèque va nous quitter. Wana. My God. Na kati ya lieu très saint, mouille ezala kati. Ezala na mon lili. La seule lumière, oh ezala ki permis kuna ezali lumière oh nzambe na kembo na ye soka kiti. Na lieu saint, ezali na chandelier. Lieu saint, ezali éclairé na chandelier. Na parvis, lumière ezali lumière ya moi, lumière moko naturelle. Lumière naturelle. Dans le lieu très saint, lumière au batoulé, ko tiama futa, pour baba kip chandelier, epela. Mais dans le lieu très saint, bion de vé, d'ici dans zamba lingi yo, on voit révélation. Kuna, my God. Kuna moto, lumière, et d'ailleurs, on zo wuta kake pa yan zambe ye moko. Ogo me ma mouina na yote kuna. Chandelier kuna te. Kuna mwinda ya nkembo na nzambe. Nkembo na nzambe. Beyond the veil. Ya wana tako bonde na nzambe apesa yo. Apesa ngana yo. Revelation de comprendre ces choses. E yamena yo beyond the veil. Sécurité beyond the veil. To dana tango yaba trouble. Tango yaba inquiétude. Tango yo. Peur. Ezo skota mite ma batu. Qui s'accoufi, il crée s'accoufi, parce que Kinda n'a coufi, on t'a la bonne. Mais si Kana Yébu, ça le billon de veille. There is a place. There is a place billon de veille. Ah, réalité. Yango de Tonto vivre une réalité oh, en Christ. Vous verrez bien aimé. La lissolo ya Jacob. C'est tout de suite que nous croyons que nous pouvons chuter. L'histoire est à Jacob. Oh Père, ta grâce. Dans l'histoire est à Jacob. Tango ma frère, il y a Joseph, jaloux de Joseph. Jacob a tiré Joseph et pas ma frère, n'aille. Na Genèse chapitre 37. Tango ma moni Joseph est à Koya. Babi était tout bon maillé. Tombo ma Joseph. Tombo ma Joseph. Après Ruben le bité, tombo ma yete. Ponani to sopa ma kila ya neko na biso. To dans la Genèse, chapitre 37. A partir verset 18. Il vit Joseph de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, il complotait de lui faire mourir. Parce que Joseph est l'inipé en colo. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons, voici ce que nous allons prêcher. Nous allons dire une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben a entendu cela et dit, il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui entend pas la vie. Ruben leur dit, ne répondez point le sang. Jetez-le dans une citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de lui délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais Ruben, t'en as déplacé qui? Aïe, écoute à ma kamoususu. Et maintenant, nous sommes à verset 29. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent la tunique de Joseph et l'ayant tué un bouc, my God, ayant tué un bouc, ayant tué un bouc,
Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. » Ils n'ont pas dit que Babomiye, ils n'ont pas dit que Niamamoga Niemwana, Baloba Kite, Balagi Siekaga, voici la tunique, il y avait du sang. Malamoko, qu'est-ce que Joseph a dit? Jacob l'a reconnu, parce que lui qui avait donné la tunique, et il reconnut la tunique. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Qui t'a dit Jacob? Yemoko a dévoré. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et pourtant longtemps, le dé de son fils. My God. Yemoko. A l'obité sin. Babomi moi nangai. Akoufi. Oh, tu as image et koulousou. Image et koulousou. Ma kila. Niamamoua koufati wana. Niamamoua koufati. Adagi na innocent. Mais pourquoi ne pas l'amba li solo ya Joseph. Babomi niamabati. Bazou ma kila ba tche l'amba na ye. Ba pesi Jacob. Preuve. Balomi ne l'obo tami. Reconnais. Jacob a dit, ah, il est mort. Mais le problème avec Jacob, c'est ici qu'il avait chuté. Jacob a soukégara na ekoulousou. Jacob a soukégara na ekoulousou. Mais c'est pourquoi qu'on va beyond the veil. Beyond the veil. Jacob a soukégara et sili na ekoulousou. Et sili comme ma disciple. Ah, notre maître est mort. A koufie sili. Bah, comme il confondit, a vu vina na bébé. Mais n'a rien qu'on yébi sa yo Jacob. Jacob a dali qu'on yoka. N'a rien qu'on yébi sa yo. La réalité est que Joseph n'est pas mort. Joseph est mort et ressuscité. Joseph a sécuit. Joseph a zana bomoi. Dieu l'a souverainement élevé. Jacob n'avait pas la réalité. Asuka dit qu'elle n'était pas. Asuka dit qu'elle n'était pas. Asali matanga. Asali matanga. Zole la Joseph. Joseph ite. Azana déjà na bomoi. Kolo yeso. Azana bomoi. Azana na bomoi. Vina yo koza ya kolo lelela te. Jacob. Vina ya kolo lele sili. Espoir sili. Jacob aza kolo lela. Adosa la sa. Asali matanga ya taba. Ntaba nemu wa boma ki wana. Yowana na. Ezalaki ntaba. Na ombre. Ezalaki ntaba. Mena na ombre sali matanga ntaba ezala bato muzuba bungise like baza ko lela lela mais la réalité na yeko memela yo Yesu Kristo a c'est quoi azana bomoi yena fali à la droite du père. Jacob ne savait pas. My God, yana foto te a full gospel to te a sango malamu lo biko ton limili que Yesu a kufa pe a c'est quoi être né de nouveau, nouvelle créature, on y manga la koufa Yesu te, koufa pe li c'est quoi na ye, a koufa, a c'est quoi, a matali kolo, a fani na mwende. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Quand on a la révélation, oh yo, si on a la yanda, nous gara ya Jacob, on a le la lela. Okolelale o sala mantanga batanga ntaba olelaka na yontaba olelaka na ntango nyoso ona kufela bana maganisi na ntango olelaka na yokaka olelaka na yokaka olelaka na yokaka mena yokwebisa yo nous avons un tel souverain sacrificateur a yemo a kufa ki le vola sacrifice a segu le vola souverain sacrificateur a matili kolo a fani na ngwende a la droite du père comme avocat puisque nous avons un tel et ya boye ya motin da boye ndenge ni vina nga na échoué comment peut-ce na le la vina nga a soko yebi o yemo modèle sacrificateur otozane di ndeko lela soko yemo modèle ya souverain sacrificateur otozate ndeko zala le vola Jacob. Ari vina nga mobi makabu. Eko bonga susu te. Liba nage kufika kabu. Eko bonga susu te. Akloti revi. Alobinin. Jacob alobinin. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le dé de son fils. Aïe. Tous ses fils et ses filles veulent lui consoler, mais il ne voulut point recevoir aucune consolation. Osole la taba, ezama tanga yantaba. C'est Jésus qu'ils ont crucifié, Dieu l'a ressuscité. Yango wana, tangu ba ko memele siko, ba ko memele sango malamu. Oh, sango malamu ba memele Joseph. Joseph.
Ana ebi tete li Joseph mwazako, plito Jacob mwazako landangayi. Ole lela, ole la, ole la. Na meme li yo sango malamu. Na Jacob mwazako lela. A bungi sa elikia, a conclu deja, a kali situation. Adana ba preuve, adana ba preuve. Tala, ba lakisi nye lamba na makila, bongo zo lobanin. Ba, me monga na pena lakisi nye ba preuve, bongo yo zo lobanin. Nadana ba evidence nyo so scan yango. Ayayayaya. Scan yango ba koma yo ko botate. Ba koma yo go bongate, ba koma deja scan, nadana ba preuve nyoso. Kudu ba yebi siete, yemoko, alimboli. Yemoko alimboli, alimboli. Yemoko alimboli. Ba yebi sekete ba liye mye mwana yo. Yemoko be sili ba liye mwana ngay. Si mwana nga go bongate susu te. Yo ya komina ba drug bo sili. Ole ba sente bo sili. Ole vina ye destiny na ye sili. Vina nga na kobala susu te, na kobonga susu te. Sili. Nako longa li kambolo te sili. Azako lela na ye sili. Sili. Nako sepela te na vi. Ba yeko konsole ya boyi. Azako lela. Joseph inanga. Nazo ko simagine peut-être a bomba ke lambango e lamba na ngapena na pesa ki ye na dali na ba projet pona Joseph oyo na dali na ba projet pona Joseph oyo tala nenga suki ba noto na ye kokisamite Joseph aza ko lela na kana ki na zala bona vie na kana ki na koma boye azo lela na ye bitete ki Jacob mo aza ko lela aza ko yokanga Azako yoka nga Jacob oza wapi. Oye azako yoka mongongo na nzambe kolobela ye. Kolelate. Joseph vit, hallelujah. Joseph vit, il est vivant, il est ressuscité. Yabiso, Joseph nabiso azana bon moi. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Le kufa est comme limité. Aaron était limité par la mort. Alors Aaron avait des faiblesses. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Dites-moi, mais quoi, Yanango, mais puisque nous avons un tel. Et quand Roumé, Yanango, oui, ma bonne, c'est ça que Roumé là. Mais puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Puisque nous avons un tel. La peur est longue. Kobang est longue. Vaya mouzou de bini à COVID. Puisque nous avons un tel. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Alléluia. Genèse chapitre 45, verset 25. Ils nous remontèrent à l'Égypte. Ils arrivèrent à Canaan, dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Il lui dit, Joseph vit. Joseph est ressuscité. Joseph vit. Il vit encore. Rayamanko. Il vit encore. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Joseph vit encore. Et même, celui qui gouverne tout le pays, Dieu l'a souverainement élevé. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On parle de l'élévation de Christ. Et ça, image, ce que dit Joseph, Obini Libanda, image, élévation de Christ. Il vit encore, c'est-à-dire la résurrection de Christ. Il vit encore. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob est resté froid. Parce que il ne le croyait pas. Il lui apportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Ma parole est saliée de l'autre côté, non. Nazana preuve déjà, il y a un lamba na makia. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Tango à l'yoga verset.
quand il vit le char que Joseph avait envoyé. Preuve, monsieur, my God. De l'autre côté, il y a une preuve, il y a une lamba. Bah, pèse, preuve, monsieur. Il y a un faux. Il y a un faux, il y a un Congo. Eh, bah, on va dire, écoutez, le Congo, il y a un faux. Contre Nine. Ah, papa, il y a un faux, il y a un Congo. Contre preuve, ceux qui sont Nini contre ceux qui ah, bah, maman, bah, yébité. Nana, bon, comme l'angango. Eh, ceux qui contre, ceux qui pièce contre pièce. Évidence contre évidence. Pièce contre pièce, my God. Wawa. Et lamba, na makila. Mais quand on a bachar, tu as zanda, après ça, preuve à l'issue qu'on a eu. Obika preuve. L'obiko za preuve. L'ipambole za preuve que yes, ça la bombe. Quand on a preuve, my God. Lorsqu'il vit, il vit le char que Joseph avait envoyé pour le transporter. Alors. Que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il est passé. Tant que moi, je vais dans Zambé, Namona Bilembo. Souverain sacrificateur, après Sanga Bilembo. Nazala Bilembo, Yaya Kolela. Nazala Bilembo, Lamana Makila. Nazala Bilembo, Yaya Koufa. Naningiso Namona Bilembo, Yaya Sekwa. Yango, Tomate, dans la stricte, t'es là, Toma. Alors, mais ceux qui n'ont moni, c'est qu'à Bache, Bache va s'éteindre, n'a été la condimaté. Ceux qui n'ont moni, c'est n'a besoin de preuve, preuve. Hey! Preuve, il y a l'issue quoi? Amen, ma chat. Tant que moni, ah! Malamoko preuve, il y a l'ambawana, a tikiango, a koufa kakate, mais a c'est quoi? Mon col a c'est quoi? A koloko la c'est quoi? Avec au c'est pour sa nyose ya yo. Le col a c'est quoi? Et l'iken a yo pe et c'est quoi? Le col a c'est quoi? Yé yangone réalité, a zana pomboy. Azana bomoi, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur qui est vivant, approchons-nous donc avec plein d'assurance, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, puisque nous avons tant moni va preuve on a vu les balami yoga mo qu'on a comment va changer va comme bah le roi Jacob a mis Israël verset 28 et Israël est dit c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Ah, n'a pas sepela l'issoussou. Hey! Maya miso nanga, bongwami. Et nike zongi, Joseph vit encore. N'aikobate, Yesu azana bomoi. Mosiko yina yo, azana bomoi. Yena me mabiso de l'ombre à la réalité. Azana bomoi. Ko bongi se liki ate, azana bomoi. Tangwa moni. Ameni. On a donc bonne là. Zambe na bomoi. Apesa yo ba preuve. Omona ba preuve. Alakisanga ba preuve. Ay. Toma no biso gina moni te. Zambe na probleme zate. Nako lakisa yo. Nako pesa yo ba preuve. To suki sina A chapitre premier. Verset 3. Awa Yesu a sekwi. Le lege mo ta Joseph ta ma tini message et un message pour na Jacob et un message de résurrection. Azali na message à Koufa. Ba ko pese ki azana bomo pour na ya Joseph ou ya Koufa ki a sekwi. A chapitre 1 verset 1 tina 3. Total na 1 tina 3. Théophile, j'ai parlé. Là c'est lui qui a écrit le livre des Actes. J'ai parlé à mon premier livre, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus-Christ a commencé à faire et enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Le lendemain de Joseph, il est apparu vivant en leur donnant plusieurs quoi? En leur donnant plusieurs preuves. Aïe. Zamba preuve. Zamba, a talisé la preuve de mon côté. Il est vrai, la Bible ne nous dit pas toutes ces preuves-là, mais la Bible dit qu'il y a plusieurs preuves.
Peut-être que comme il y a des doutes, nous avons des gens qui ont fait preuve. A talisé et à l'ingakayo. A talisé et à zana yo. Et ça, ma preuve, ma preuve. On y va. Bah, les miracles, voici les signes qui accompagnent seront crus. À mon nom, vous imposerez les mêmes malades, ils seront guéris. Et ça, ma preuve que nous avons des zana yo. Peut-être que comme nous avons dit, nous avons des zana yo toujours. Mais ils ont bon de la semaine, on est la terre. On m'en a preuve à mon niveau dans zana. On m'en a zana talisé. Il n'y a pas de preuve. Si tu le crois, dis amen, 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 amen. Après leur avoir montré plusieurs preuves. Oh, Acte 1 chapitre 3. Oh, maman connaît nous avons pas mal pour ton assistance là-bas. Passage au Pessabiso. Acte 1 chapitre 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume. À le bas qui cacaté. Peu à peu, si ma preuve. Ah, Zamba, ma peu, ça y est, preuve. A peu, ça y est, preuve. A peu, ça preuve. Zamba, bilimbo. Zamba, ma preuve. Preuve, là y est. Preuve, là y est. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Alléluia. Bandako pambo, là y est. Bandako pambo, là y est. Billon de veille. Bandako pambo la ye, bandako eleve ye. Bandako neto la ye. Beyond the veil. Beyond the veil. Dans la réalité, amène vous dans la réalité. Bandako neto la ye, bandako neto la ye. Bandako neto la ye, bandako neto la ye. Alléluia, alléluia. Yes. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Tigate, kolendi sama ozwa makasi, nous avons toza na souverain sacrificateur, un grand, alléluia. Nous le levons. Adore-le, beyond the veil. My God. Ya yezawana, yes wazana bomoi. A cause of the Lususu, a cause of the Lususu, a cause of the Sayo, a cause of the Motema Nayo, Jacob, Jésus vit, Jacob, Joseph est vivant, hallelujah. Non pas seulement qu'il est vivant, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui tient le monde entre ses mains, c'est lui qui règne, rien n'échappe à son contrôle. Jacob vit là où vous allez impacter calamité. Vit là où vous allez changer calamité. Il nous a transporté du royaume des ténèbres. A transporté Bango. A transporté Bango. Oh. Bango en Égypte. Amen Bango. Bisika Yazali. Ah. Assis avec tes fils dans le lieu céleste. Afin que là où il est, Tozala. A dit, je m'en vais vous préparer une place. Oh Jésus. Jésus, toi notre grand souverain sacrificateur, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Pangusa Maya Missionayo, Jacob, nous avons un tel souverain sacrificateur. A boire caractère, pas inaïe. À côté de nous avons restauré yo. À côté nous avons pété la yo. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Oh, yes. À vous dans la tribu à Judas, la tribu à Lévité. Yango wana tamo qui les disqualifie yo. Yako go qualifie yo. Ils ont occupé background na yote. Ils ont occupé te yo salaki lobby. Soko yé pa ina ya ko pété la yo. Ko pété le bon moyasika. Yes. Adore-le, beyond the veil. God. Tata sala et la bungi se likia na ngaite. Na zonga na ombre pe. Na kangama na réalité. Notre grand souverain sacrificateur. Il est là pour nous. Il a traversé le ciel pour moi. Oh. Il a fait l'expiation dans le sanctuaire céleste. Dans le propriatoire céleste, il est entré et s'il a maculé
Et si gama qui la sopaki. Et si gama le biko. Le pardon pesa melaki. Alléluia. Jésus, Jésus. Nous voulons prier pour la négociation de Kolandangai. Oh, on a pesa bon mot, on a pas à Yesu te. On a commencé à te tozana. Tozana Yesu Masia. Un tel souverain sacrificateur. A quoi peut-être la moté manayo. Ce que vous avez Kolandangai. Nan ne pesa bon mot, on a pas encore Yesu. Au gogo commis à le sambo ya yo. Au gogo le basimanangai, kolo Yesu. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. J'ai écouté ta parole et je lève ma voix vers toi pour te demander de me pardonner de tous mes péchés. Je te prie, selon qu'il est écrit, si nous confessons notre bouche et nous croyons notre cœur, que Christ, que Dieu t'a ressuscité de mort, que tu es mort pour mes péchés et que tu as été ressuscité pour ma justification, je serai sauvé. Na tata liye to dans mon conduit mon biki sinangai. Na tata liye to dans mon conduit mon biki sinangai. Pesanga bon moi na ye aseko. Na koma mwana na yo. Na ndini oyo sale ne kulusu ponanga. Na tie kondi mananga na oyo sale ne kulusu. Okufa kile kulusu ponangai. Okufa kaka teme o sekwa ki. O sekwa kaka teme o matali kolopo fanda na ngwende na loboko mo baya nzambe tata ponangai. Peto la bomo inangai, na koma ya yo, pona libela. Na komi ya yo, o transporte na shikolo, na royaume na yo. O pesinga identite ya sika, o longoni motema ya mabanga, o tse motema na yo ya suni. Na komi mwana na yo. Je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que Satan na mouyete liko inangai. Na komi ete la mwa sika, na komo na Yesu. Kola pambola yo, yo saino sambo oyo, o komi mwana na nzambe, pe realite ya nzian, kolo Yesu, e komi partage na yo. Alleluia. Kola kumi sama, beyond the veil, beyond the veil, beyond the veil, alleluia. Bisoba oyo to yambaye deja, banda ko kumi sa ye, yende souverain sacrificateur, yende souverain sacrificateur, banda ko pambola ye pona mosala ne kulusu, banda ko neto la ye, yende likia na ye, banda ko kumi sa ye, alleluia. A kumi sama, a sanjela ma, nous avons un tel souverain sacrificateur, bobo inanga ye simba mina ye, bobo inanga ye kamba mina ye, le kola na zana ye, le kola to zana ye, to kombanga. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Oya tika rabisote. Oya soumela rabisote. Oya zapona biso. Lui qui intercède pour nous. Lui qui parle à ma faveur. Yewa yedi bon lembu nanga. A yedi bon lembu nanga. Pesa ganga makasi. Yende lomba nangai. Zambe na bomoi. Zambe na mawa. Le Dieu de toute grâce. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Yes. Un tel souverain sacrificateur. Yaza na lisumute. Aza bien qualifié pour nago sunga yo. Aza mieux qualifié pour nago sunga yo. Yango wana pousana. Yango wana guma melaye. Yango wana netolaye. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ton pamolie. Ton netolie. Reba shindorobo sandereba. Kalebo. Rebabo sando. Takata la yote église na yote tonga malikona maloba na yo. A fermi l'église na yo kolo. Sous la parole, la parole, la parole. Oh Père. Ça a été abîmé ma preuve, ma preuve. Y a lissé quoi na yo. Ah, tata, la go bonne la bonne en neko yo. Abika ma preuve, y'a lissé quoi na yo. Abika, eza la réalité pour na ye. Eza la réalité pour na ye. Aza qu'on est dans le col à Jacob. Tata, pesa ye, ma preuve, ma preuve. Ah, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu guéris encore jusqu'aujourd'hui. On pense à ma botte à l'issue. Qui n'a pas à l'élo. Pense à y'a ma preuve, ma preuve, ma preuve. Bon de la Nzambe, le van Nzambe, Nzambe, ma preuve. Nzambe, ma preuve, Nzambe, pense à ma preuve. Ma preuve, ma preuve, ma preuve, yes. Yang bon de que l'élo, ça conduit ma nangana yo. Nazan a bin l'élo na ye. Nazan a bin l'élo na ye. Yang bon de na, na yang bon de na kote na ma preuve na ye.
preuve ya lycée quoi na yeza bikamwa. Les miracles sont les preuves de yeza za na bomo kino lelo. Asala ki bikamwa za ko sala kino lelo. So ki za na bomo kino lelo ko sala bikamwa le lenga sala ki. Eza ma preuve, ma preuve, ma preuve. Ma preuve. Le ban zambe ba preuve, nanda ko nanga ba preuve. Tata ba preuve, ba preuve. Ya bon zambe na yo. Ba preuve ya bon zambe na yo. Ba preuve, ba preuve ya bon zambe na yo. Tondi sa mo tema nanga na bolingo. Ba preuve ya oto tambo na nanga longo. Nzamba bilembo. Nzamba bilembo. Nzamba bilembo. To pambo liye. To neto liye. To neto liye. To neto liye. Azan nzamba bilembo, nzamba ba preuve. Akuma maneto lama, mokonzi na bakonzi. Alleluia, nzamba bilembo, nzamba bilembo. Oko mona ngona bana na yo, oko mona ngona sante na yo, oko mona ngona libota na yo, oko mona ngona famille na yo. Ba preuve, voici les miracles qui accompagneront Jésus. Il confirmait la parole par des signes de prodiges. Tata na bonde liyo l'église na yo, kolo, bilembo, 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 bilembo. Bilembo, bilembo, bilembo. David a dit, la preuve, le Dieu qui m'a délivré de la guerre du lion, de la patte de l'ours, n'a pas la preuve, n'a pas suivi, suivi et tonda. Anzamba koba kokoma, akoba kobakisa, nazala ba référence, nazala bilembo na nzambe, nazala kobonde la nzamba bilembo, nzamba bilembo, nzamba bi, ya bilembo, bilembo, bilembo. Bazole ba ouwe. Où est son Dieu? Nzambe na ya zawapi. Nzambe wa sambe na ka zawapi. Nzambe wa sambe na ka zawapi. Bazolo ba nzambe na ya zawapi. Bele ya nzambe tata. Telema mi moni sama. A telema kata mi moni sama ka. A telema pa moni sama. Mon lilie sila. Bilembo zesika. Mon noko na ye fungwa ma. Bada ko chola an. Nzambe pesa bilembo. Hey. Hey nzambe bilembo. Ye moga za nzamba bilembo. Alebi na noe na kotia sinye. Na kotia sinye. Eza elembo. Circoncision. Eza elembo. Eza elembo. Oh. Yes. 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 Même le parlant lang eza elembo. Eza elembo. Za nzamba da. Yabi. Yabi lembo. Asala elembo. Même koutu kaya nzamba chake elembo pa ina ye. Ah. Anzamba pesa yo lembo, zamba pesa yo lembo, leban zambe lembo, leban zambe lembo. Chaque fois na zoko tale lembo, na zoko pambola yo. Chaque fois na zoko tale lembo, na zoko kanisa bolamu na yo. Zamba sale ya yongolu, leban zambe lembo, lembo na yo. Na mona ngo na ndako na ngai, na mona ngo na sante na ngai, na mona ngo na libala na ngai, na mona ngo na mboka na ngai, na mona ngo na eglise na yo. Lembo, zamba zana biso, lembo kolo, capable ya ko pesa biso. Nkolo, ya ko pesa na koki, ya ko soma meme sa, poza nzamba bilembo, bilembo, bilembo ko kamisa yo, na zo bonde la nzamba pesa bilembo, oye ko leke la yo, oye ko kamisa yo, oye ko kamisa yo, bilembo, 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 bilembo. Bilembo, tatana bonde liyo bilembo, zamba bilembo, zamba bilembo. Abite, voici moi, moi et mes fils, nous sommes un signe et un prédit. Toza signe et un présage, nous annonçons signe, et lembo lage, et annonça que loko moko, et annonça yete yeso azana bomoy. Batouba mona bilembo katina ngay, batouba solo azana bomoy. Jacob a dit que le monde va la viser dans le lembo. Yemo ka bali ko loba. Yemo ka bali ko loba. El lembo komi sa ka mutuko ko bilobi je le bilba tambana ki. El lobi sa moki. Ba to ba kumi sa komo na yo. Tata na biso za le likolo. Ba to ba kumi sa komo na yo. Na bilembo zambe. O ya pesa ka mabota. A sale la yo lembo, el lembo. A pesa yo kaka elembo te na akomi sa yo pe elembo. Akomi sa yo pe référence. Alebi na Marie, Marie, Marie. Voici Elisabeth ta cousine et en son sixième mois. Elisabeth a zana sixième mois na ye. Elisabeth a zana référence. Elisabeth a zana elembo po na yo. Po talise te na zana capable. Na zale lembo po na yo. Yo zale lembo po na ngai. Tako na kota na yo mzamba sale pa na yo. Eleni za motema na ngai. Ah. Oh yoko mona kati na ngai nenge nzamba kozwa mutu na zero nenga kotombo la ye tango otala ngona vina ngao obyo nzamba sale pa Elizabeth ako sale pe pa na nga Marie na za na zale lembo po na yo o zale lembo po na ngai lebo na nzambe komisa ndeko na nga pe lembo komisa mama wana lembo komisa papa wana lembo komisa le bana wana bilembo bilembo
bilembe de nzamba za malamu so imo kiliba kuma kodute yo kwana ba preuve wana tala tala ndenga la zalaki tala ndenga nzamba salaki tala ndenga ndamba resita ba minga ba loba tala ndenga nzamba biki sangai tala ndenga nzamba pesa mabot tala ndenga nzamba restaurant tala ndenga nzambe aseki sangai bilembo nzamba kumama mokonja kumama to betelie maboko, alléluia, alléluia, merci Jésus, alléluia, gloire à Jésus, to pambolie, to pambolie, to pambolie, to pambolie, azama lamu, nzamba bilembo, azama lamu, azama lamu, azama lamu, azama lamu, nzamba bilembo, akumama, aneto lama, nzamba bilembo, aneto lama, Tambola ye, neto la ye, nzamba bilembo, nzamba bilembo, nzamba bilembo, neto la moi. Pambola ye, pambola ye, alléluia. Na yembe la na monoko nini. Botika ngayi, ngayi. Marabro sete ya baba baba. Neto la ye, neto la ye. Yé papa nanga, yé papa nanga. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Eh, hey, baraté la gosse à bouche. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous avez déjà prié par rapport à vos situations. Pambola yé. Nous sommes dans sa présence, dans cette atmosphère de gloire. Après avoir écouté la parole, nous les bénissons. Après avoir prié, nous les célébrons. Zame yabilembo. Elikiananga ezasepaina yo. Un tel souverain sacrificateur. Ayambalo yembo. Nabonzeliye. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous venons avec l'adoration devant notre Père. Alléluia. Approchons-nous. Puisque nous avons compris que nous avons un tel souverain sacrificateur. Kole le sili. Kole le sili. Kole le sili. Mote manangai. Alléluia. Kembo na yo. Kembo na yo. To pambo liye. To neto liye. O neto la main. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Na komo na Yesu te bondeli boye. Pete lobi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, to pamboli nzambe, nous sommes arrivés na presque na fin ya culte na biso. Le Seigneur est merveilleux. Il est en train de nous édifier par sa grâce. To tondiye, to pamboliye. Comme d'habitude, bien-aimé, partage la vidéo. Quelqu'un quelque part, azako le loko la Jacob, azana posa. Aïba été hier sur un bon moi. Assez quoi? Mouté mananga na bonzelie. Alléluia. Ah. Et où tu es pas na yé? Et pas na yé, yé. My God. My God. Eh, Zambé Nangolu. Ah, tata. Yambalo yembo na bonzeli yo nzambe na maua. Nzambe na maua. Yanga motema. Ah, tata. Bomo ipe ngolu, ngolu, ngolu. Ha, tata. Soki nazana bomo yezangolu, yezangolu. Nyon se wute pa na yele Dieu de toute consolation, de toute grâce. E wute pa na yo. Ezase yo, ezase yo. Yambalo yembo na bonzeli yo. Kola kumi sama to pamboli ye. Akumama. Honneur à Dieu, honneur à notre Dieu to komi na suka. Tika ete bolamu na nzambe yo bikango. Na bondeli ete semeni o esilate. O bika ba preuve ya bolingo na nzambe. Lokola Jacob. Nzambe asalela yongolo oyoka sango malamu moko baya ko memela yo sango malamu moko oyoko changer même histoire a vina yo kola salela yongolo tout ça parce que nous avons un
tel le souverain sacrificateur dans la réalité. Obikabola monanzambe, na liko bondela et santé divine, et faveur divine, et protection divine, et la partage na yo. Kola fungola yonanga mayele, katina liloba na ye, to kola lizuna liloba na ye. Nzamba sala yo bolamu, otambola na elonga, otambola na elonga, otambola na sanctification. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, toko longa, pote sito longa, nzamba kumama, na kombo la Yesu Christu, amen, 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 amen. Na mou mesana, nenge to mesana, pourquoi ne pas dire, salutation, nenge to mesana, na bande konyo, surtout tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur, alléluia, alléluia. Pesande kona yo mbote, ko bosanate, ko partager la vidéo, alléluia. Ne kona biso Lydia, ko la pambola yo, maman Magi, ko la pambola yo, maman Magi Chibola, ko la pambola yo, ne kona biso maman Solange, mokondia pambola yo, maman Angèle, nzamba pambola yo, maman Iguette, nzambe la bomoy a pambola yo, ko pesande kona yo mbote, tout ko kominye, alléluia. Pesan de kola yo mbote zala libre. Yako pesan de kola yo mbote. Azama lamu. Alléluia. Zambe monene. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Mama Denise Mkolo. Bolamu na zambe ko bosanate. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Akoti kangate. Dans la réalité. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Alléluia. Mon thème en anglais, Pamboliye. Maman Kondeli, Nzambe, Bolamu na Nzambe, Likona yo. Alléluia. Maman Magali, Bolamu na Nzambe, Likona Bomo na yo. Maman Alen, Nzambe, na Bomo yi. Apesa yo ba preuve. Apesa yo mona ba preuve. Omona ba preuve. Maman Magi, omona ba preuve wana. Maman Nicole, omona ba preuve. Se Nzamba Bomo anite. Nzamba bongwa nito mwona ba preuve ke nzamba salara kino lelo abiki saka kino lelo abongo la gabatu mitema kino lelo Nzamba zana bomo, yes, ba mama nyoso, fami nyoso ya kingdom, nzamba zana bomo, alleluia. Pesa ndeko na yombote a Bishop Rems, nzamba pesa atalisa yo ba preuve omona ke nzamba zana bomo. Avec Alain, Nzamba talisa ba preuve na bomo na yo. Kazali na yo, kazalaka na yo, kazali na yo. Mama Alain, Mama Irene, Nzamba talisa ba preuve na yo, na bomo na yo. Kaza fidèle, aza le même hier, aujourd'hui, pe éternellement. Alléluia. Mama Natacha, Nzamba sala yo bolamu ebele. Obika yango. Mama Yolani, Nzamba sala yo bolamu. Obika bolamu na Nzambe aza fidèle. Nzambe osale laka. Atalisa bolamu na ye. Mama Deli, Nzamba talisa bolamu na ye likolo na bomo na yo. Apesa yo preuve. Akamwisa yo. Tata na bombeli. Nzamba pesa yo ndaku. Ezala elembo pona yo. Na kombo na Yesu. Mama Deli, Nzamba pesa yo ango na kombo na Yesu. Nzamba kokisa. Papa Gigi, Nzamba sale la binongolu. Bezala na ba preuve Nzambe bele. Ba fali etonda. Ba dokima ya ba preuve Nzambe tonda meke. Atondisa. Asala yango. Oh, raba sheko yaba. Etikali polele, yes, loto lebo, sheka manderebe. Ha, yawe. Hey, asekwi. Hey, my God. Asekwi sa yango. Esekwi. Mama Liza, Nzamba sale la yongolu. Obika bikamwa na Nzambe. Okoma elembo. Mokili bakala yo. Bazwa makasi. Po vina yeko malitatoli. Esala mabongo. Na bomo ina yo mama Rika.
et ça la ma bongo na bongo ya sœur prudence et ça la ma bongo na bongo ya maman Eve et ça la ma bongo na libota maman Rose et ça la ma bongo et ça la ma bongo nzamba distingué yo ba preuve na mboka o zamboka ba preuve ba senga ka preuve preuve d'adresse preuve bank statement na zo bongo la nzamba pesa ba preuve et kana monoko ba nguna na yo ba preuve 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 Pota sekwi. Masia zana bongo. Ah, ba preuve. Na santé ya bana na yo ba preuve. Ba preuve na zako bembe la. Ba preuve. Ba preuve, ba preuve, ba preuve. Nzamba tondi za bongo na yona ba preuve. Yolo ba zizi ba preuve elo ba na place na yo. Yes. Ba preuve elo ba na place na yo. Bilembo elo ba na place na yo. Yoko le ba lisusu te. Ba preuve. Nzamba zana bomoi. Ah, ya enis nzamba pesa yo ba preuve. Ya enis nzamba pesa yo ba preuve. Maman mo na bondeli. Na bondeli po na yo maman mo. Bilembo na nzambe. Bolamu na nzambe liko na bomoi na yo. Nyon se kole ka malamu. Na proclamango na kombo na Yesu. Papa kadi bilembo na mbogo na bomoi na yo. Pe li bota na mobimba. Papa Marien, bilembo na nzambe na zako loba. Na zolo ba bilembo, bilembo, bilembo. Omo na ngona mosala na yo. Omo na bilembo. Alleluia. Bilembo. Bilembo. Bilembo, bilembo. Tuzo bome la nzamba bilembo. Nzamba bilembo. Nzamba bilembo. Ami monisa. Alleluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Alleluia. Mokonja kumama. Tokomi na suka dimanche malamu tokokuta na jeudi prochain mais lelo na pokwa samari na biso ezali résumé za na pokwa lelo yo nzambe na bomo ipartage video quelqu'un aza na posa ko yoka maloba oyo to bonde la nzambe ezali ko batela pe nzamba konsole ba ndeko ba bungisi ba famille na bango Zokaliza famille ya famille si nzamba konsole bango nzamba konsole libota wana pe bandeko nyoso tu baza abaza éprouvé nzambe a konsole pe nzamba batela yona la haute dans la bombe mabota na biso nzamba batela puisque nous avons un tel souverain sacrificateur Eli qui ezali nzamba dans la bombe amen amen bon dimanche à tous tokutani à jeudi Alléluia. Na kombo na Yesu Kristu. Maya miso na ngaya bongo liango. Alléluia. Dieu soit la gloire. Alléluia. Kati, kati na passe. Kati na isobe. Alléluia. Molinga, molinga. Aïe, 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 aïe. Kole la o yangai. Puisque nous avons un tel souverain sacrificateur. Ko bosse na te tango nyoso. Ozana nganga nzambe un tel souverain sacrificateur ayebi ayebi bolembo na yo ayebi mikakatano na yo ayebi what you are going through pusana ka pere na ye moninga ya tango nyoso ayebi likambo wana rumeli mama yu nzamba pambo la yo sœur Nicole nzamba sala yongolu asala yongolu asala yongolu papa Debs nzamba sala yongolu Mama Deborah nzamba sala yo ngolu. Mama Mima nzamba pambo la yo. Ngolu na nzambe. Ngolu na nzambe. Ngolu na nzambe. Mama Rachel nzamba pambo la yo. Mama Espe. Mama Espe bolamu na nzambe bisiko zali. Mama Eugenie nzamba pambo la yo. Sœur Brenda nzamba pambo la yo. Nzamba pambo la yo. We love you. We love you so much. Alleluia. Bande vile vade ko joindre biso. To pambo li bango. Alléluia. Alléluia. Maman Maguine, États-Unis, Nzamba Pambola yo. Maman Deline, Nzamba Pambola yo. Steph, Nzamba Pambola yo. Bolamu na Nzambe. Maman Yvette, na France, Nzamba Pambola yo. Maman Emeline, na France, Nzamba Pambola yo. Alléluia. Maman Tide, na Suisse, Nzamba Pambola yo. Bolamu na Nzambe. Pasteur Brèche, Bolamu na Nzambe. Na kombo na Yesu. Amen, amen. Tokomi na suka. God bless you. Bye bye for now. Gloire au Seigneur.
Thank you.